traverse à plusieurs origines. D'une part, Saint-Angelin et le Lourd, le plus haut perché sur la rive droite de la Loire. Ensuite, on disposait de la structure d'un ancien château d'eau qu'on a souhaité réhabiliter et offrir un point de vue sur tout le Val-de-Loire, depuis le sud du Loiret jusqu'aux environs de Nevers. On renoue aussi, de cette façon, avec ce qui faisait la caractéristique de Saint-Angelin au XIXe siècle. Il se disait qu'on voyait 23 clochers du bourg de Saint-Angelin. Le belvédère est un complément touristique avec la ville de Pouilly, qui présente notamment la tour du Pouilly fumé, le pavillon du milieu de Loire. C'est un attrait touristique pour les gens qui viennent faire des randonnées pédestres, du cyclisme, et donc c'est une offre touristique complémentaire qui permet de visiter le vignoble et puis de voir la Loire.